Une projection de l'Institut BVA indique que ce soir que sur les villes de plus de 10 000 habitants, on devrait en avoir 100 qui basculent de la gauche vers la droite. Cela vous donnerait raison, Olivier Duhamel, parce que vous disiez c'est pire qu'en 83, et en 83, il n'y en avait pas autant. Non, 83, et en plus, avec la barre en c'est dessous... Pire hein, c'est pire ou c'est mieux, ça dépend 000, d'où on se situe. Hein. Plus de 9 000, donc c'était auditeurs. 97. Donc là, plus de 9 000, ça va être nettement plus que 100. Donc c'est un échec sans précédent, et une victoire sans précédent à des élections municipales, victoire sans précédent de la droite, échec sans précédent de la gauche, depuis toute la Ve République, et je pourrais même ajouter la Quatrième en vérité. Alors en fait, il faut peut-être remonter à 45 pour avoir un résultat pareil, c'est Olivier Duhamel qui le dit, on ne va pas s'emballer, on va vérifier tout ça. Mais non, il se trompe, pas, il se trompe assez rarement, sur... non, si vous nous avez dit même la Quatrième. Oui, non, mais bon, allez, mettons la Cinquième, allez, on met que c'est le pire résultat pour la gauche depuis 58 là-dessus, il n'y a pas débat. C'est le pire résultat pour la gauche sous la Ve République, il n'y a aucun doute.